Salut tout le monde, je suis Thierry Heiberg, l'archiviste de CIG, et bienvenue à une nouvelle édition des Loremakers Guide to the Galaxy. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une émission que l'on fait quand on est prêt à le faire et qui parle de l'histoire et du lore derrière les systèmes de l'univers de Star Citizen. Et aujourd'hui, nous allons parler du système Palace. Ceci est la Terre, c'est de là qu'on commence toujours. J'ai déjà fait cette blague, c'est une blague privée entre Jared et moi. Allons-nous-en vers Palace. J'ai demandé de faire ce système pour son histoire et parce que mon travail récent est lié à celui-ci. Palace, comme pour les systèmes de la ligne Perry, fut nommé comme l'un des dieux de la guerre, ici Palace Athéna. Aussi connu pour son nom Xian, sur lequel je reviendrai plus tard. Oui, on y reviendra. Ce système est intéressant, car c'est le site de la première rencontre avec les Xian en 2530. C'est historiquement un système Xian. Il fut inclus à la ligne Perry lors de la guerre froide humain-Xian. Il fut abandonné par les Xian et les humains et utilisé comme un no man's land qui servait de zone de conflit. Pour ceux qui ne savent pas, pour la ligne Perry, c'est ce que je viens de décrire. Une sorte de frontière entre l'espace humain et Xian, où des conflits ont très étrangement été évités, mais où les préparations militaires ont eu lieu. Comment le premier contact entre les humains et les Xian s'est exactement passé? Quand nous viendrons à Palace 3, j'en parlerai en détail, mais pour faire court, pas merveilleusement bien. Allons-y, ceci est l'étoile du système Palace. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est une type G de séquence principale, soit une naine jaune, telle l'étoile qui est dans notre système solaire, qui est une type G. Elles sont communes, mais pas tant que ça au final. Disons qu'elles sont moins communes que les types M et K, donc de type spectral rouge et orange. Mais ce qui nous intéresse, c'est que c'est en gros la jumelle de notre Soleil. Et donc, tous les terraformeurs ont vu ça comme un signe qui pouvait leur rapporter gros. Ça va parfaitement marcher, les humains vont adorer le système. Si vous vous demandez pourquoi il y avait des terraformeurs humains dans un système Xian, eh bien, on devrait le découvrir dans cette vidéo. Ceci est Palace 1. C'est une planète tellurique, comme Mercure. À propos des planètes telluriques, elles ont une origine contestée. Certains pensent qu'elles étaient initialement des planètes terrestres, mais qui orbitaient assez près de l'étoile pour que la surface se décompose, ne laissant que le noyau flottant dans l'espace. Et d'autres pensent que cela aurait été causé par l'impact d'un énorme astéroïde venu s'y écraser, en ébranlant toute la Terre et ne laissant seulement le fer au centre. Je pense que c'est plus probable qu'elle se soit formée ainsi, car le disque protoplanétaire était riche en fer. Et alors, wow, vas-y, une planète ferreuse. En cherchant des faits intéressants sur les planètes telluriques, j'ai appris que Ben Bova, auteur du livre World Building, appelait les planètes ferreuses des boulets de canon, ce qui est plutôt cool. Les Xian faisaient de l'extraction minière depuis un moment sur cette planète. Elle est sous juridiction Xian et ne sert plus que pour les carottages scientifiques. Déplaçons-nous jusqu'à Palace 2, qui est juste ici. Palace 2 est une planète corrosive, comme Vénus, ayant une atmosphère épaisse, à haute pression, totalement inadaptée à toute forme de vie. C'est hostile, chaud, les choses explosent, fondent à la surface. Même les Xian, dont la technologie de terraformation est plus avancée que la nôtre, n'ont aucune idée de comment terraformer cette petite planète. Planète corrosive?
est un terme qu'on a beaucoup utilisé dans ces vidéos. Mais j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé d'autorité en astronomie qui l'utilise également. Mais je pense que c'est approprié. Vous dites planète corrosive, les gens voient une planète avec une atmosphère épaisse et ne permettant pas la vie. C'est mon avis en tout cas. Maintenant, voici Pallas 3, l'endroit de la première rencontre entre les humains et les Xian. Pallas 3 a un énorme feu souterrain. Pourquoi cela? On ne sait pas exactement, mais on a quelques idées. Les Xian l'utilisaient un peu comme un terrain d'essai pour leur technologie de terraformation. Donc, il y a beaucoup de chances qu'au cours d'une des nombreuses expériences faites au cours des années, un laser aurait touché une veine de charbon bien plus étendue que prévu. Et maintenant, il y a un énorme feu brûlant en souterrain, en dessous d'une bonne partie de la planète. Je suppose que c'est plutôt cool, mais pas vraiment amical à la vie. Donc, en 2530, un explorateur humain découvre le système Pallas, à travers le point de saut de Baker. Et elle décida que, vous savez, c'était une époque où l'exploration se passait sans entrave, ce qui peut sembler cool, mais c'était aussi une époque sans régulation. Les régulations étaient rares et très rarement appliquées. C'était un marché contrôlé par les terraformeurs. La personne qui a découvert le système était nommée, je vérifie juste si j'ai le bon, était, où est-elle? Catherine Segovia. Elle a aussi vu une bonne affaire en voyant cette planète et vendit aux enchères le système au plus offrant, qui était Gaia Planetary Service. Encore une fois, c'était durant l'UPE, Planètes Unifiées Terriennes, avant les Messers, durant l'époque du Triumvirat. Personne ne s'intéressait à ce qu'a fait Segovia. Il s'intéressait à l'expansion progressive du territoire de l'UPE. Gaia Planetary Service. Plutôt Gaia Planet Service. Ils ont vu l'étoile jaune au centre du système et ont décidé qu'ils allaient faire de la terraformation, sans vraiment en informer le gouvernement. Ils y sont allés et ont commencé la prospection afin de trouver l'endroit idéal pour les équipements. Ils furent presque immédiatement capturés par les Xian, les 276 d'entre eux. Une situation de prise d'otage fait donc la première interaction consciente entre les humains et les Xian. Les Xian étaient en position de force dans la confrontation. Les humains, eux, n'avaient aucun pouvoir. Pire, Gaia Planet Service voulait garder ça secret du gouvernement et gérer ça d'eux-mêmes. Mais le contremaître de l'opération, Charles Baker, fut libéré et remis à son entreprise afin de les convaincre d'intégrer l'UPE dans la gestion de la problématique. Après un mois de conflit, les humains furent finalement libérés par les Xian, mais furent contraints de révéler l'ampleur de l'Empire. Donc les Xian connaissaient l'emplacement des colonies humaines et potentielles futures colonies, l'ampleur de l'UPE à ce moment, et les humains n'ont rien eu d'autre en échange que la vie des otages. Ça vous donne une idée de pourquoi ce premier contact a donné le ton des relations entre les humains et les Xian. Alors, je vais dézoomer. Enfin, je vais essayer. Voilà. Voici la ceinture d'astéroïdes Alpha de Pallas. Une ceinture riche en minéraux. Il y a des opérations de minage, mais elles appartiennent aux Xian. Donc, soyez prudents. À moins que vous voulez finir sous la juridiction du gouvernement Xian, ou de leur colère, devrais-je dire. Car ils ne l'ont pas vraiment ouvert aux autres espèces. C'est leur système. Ceci est Pallas 4. C'est une géante gazeuse, plutôt générique dans son genre.
Ce qui la rend intéressante est qu'il y a une station de recherche pressurisée, profonde dans l'atmosphère. La station de recherche est gérée par les GIANs et elle dépasse de loin la capacité de ce que nous, les humains, connaissons sur comment maintenir une station si profonde dans l'atmosphère. On aimerait vraiment connaître le secret, mais sur ce point aussi, les GIANs sont en position de force. On pense qu'ils cherchent un moyen de terraformer les planètes corrosives. We believe they are researching ways to terraform small planets. The last planet in the system. La dernière planète du système, si je la trouve, la voici. Pallas 5. Pallas 5 est une petite planète naine isolée, comme Pluton, tournant en rond en bordure du système. Contrairement à Pluton, elle ne semble pas avoir de lune pour l'accompagner. Mais avec le développement, on ajoute plus de lunes pour rendre les systèmes plus intéressants et amicaux. Il n'est donc pas exclu que Pallas 5 possède une lune un de ses jours. Merci d'avoir été avec moi pour ce tour du système Pallas. En bonus pour m'avoir écouté radoter sur l'histoire des GIAN et du premier contact avec les humains, que je trouve intéressant, je vais vous apprendre le nom GIAN du système. C'est comme une leçon rapide de GIAN. Dans les langages GIAN, le nom du système est... Laissez-moi juste vérifier. Je vais le dire une fois de plus. C'est une langue tonale. Vous devez donc faire attention où vous placez vos intonations. La partie « oui, sen » doit rester d'un ton neutre. J'ai un peu de mal avec ça, car les anglophones ayant tendance à ajouter des intonations s'ils pensent cela pertinent. Par exemple, accélérer sur certaines syllabes, puis traîner sur d'autres. Réessayons une fois. Oui, j'ai réussi. La partie suivante du mot est la partie Vous pouvez entendre l'intonation basse. La partie suivante est qui a une intonation haute et le est une syllabe double. Disons-le doucement et puis rapidement. On met le tout ensemble et ça donne. Nous y voilà. C'est une phrase en GIAN que vous connaissez maintenant. Je ne la dirai pas devant des GIAN sans la maîtriser mieux, mais maintenant, la connaissance est votre. Profitez. Encore merci pour tout. J'espère que vous avez apprécié ce lore maker sur le système Pallas. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très vite.